Et pour ceux qui aiment bien un petit peu la vie publique et les médias, ben, c'est pas très très réjouissant non plus. Donc Céline Dion, elle devrait connaître des jours assez sombres, mais devrait se remettre grâce à la chanson, ainsi qu'une participation, mais dans les années qui viennent, hein, bien sûr, dans un film. Donc il pourrait retracer sa vie. Alors par contre, je ressens un décès d'une personne de la télé-réalité, ainsi que le décès d'un monstre du cinéma qui a connu de nombreux problèmes de santé, ainsi qu'un acteur comique qui va endeuiller le monde du cinéma et de la comédie. Également le décès d'une grande dame de la chanson, ainsi qu'un décès dans le monde du sport. Également un deuil au niveau de la royauté et au niveau de la politique. Également le décès de chanteurs. Concernant le domaine de l'audiovisuel, certains animateurs sont sur la sellette et beaucoup de remous concernant les arrêts des émissions et des chaînes qui ne fonctionnent pas. Également encore des scandales concernant le sport. Un sportif devrait mettre fin à ses jours. Alors, comme je l'ai dit dans mes dernières prédictions de 2011, je ne suis pas Dieu et comme bien sûr, toute personne a le droit à l'erreur. Et concernant mes prédictions, ben, il y a des prédictions que j'avais dites en 2011, lorsque j'étais dans la Marne. Et ben, ces prédictions viennent d'arriver seulement en 2015. Donc, comme quoi, les prédictions arrivent toujours à un moment donné.